bienvenue dans un nouveau vlog. Alors si vous avez cliqué, pas d'inquiétude, hein, vous voulez voir un haul action, ça va venir. Je vais faire un petit peu comme la dernière fois, alors ce sera pas un vlog du coup tradit. Je vais aller chez Action, on est dimanche mais logiquement c'est ouvert, c'est l'avant-dernier dimanche, avant Noël, donc ça devrait être bon. Je vais aller là-bas et je vais vous montrer un petit peu tous les arrivages de décembre. Si je trouve des trucs qui m'intéressent, surtout que j'ai besoin, bien sûr je vous montrerai soit en rentrant, soit je ferai une vidéo dédiée plus tard. En plus ça va me faire du bien parce que là je suis mais légèrement agacée. Vous savez, j'organise des concours que je fais en partenariat, en collab avec des marques. Les marques m'envoient le produit et me proposent d'en faire gagner un à vous en fait. Il y a eu le concours de la montre, ça fait plus d'un mois et demi, la gagnante ne l'a toujours pas reçue. Il y a eu, beaucoup plus récent pour les lèvres, le lips anglais qui vient plumper. La gagnante m'a envoyé un message ce matin s'étonnant de ne pas l'avoir reçu. Donc je dois relancer les marques, ce qui n'est pas bien grave, mais encore faut-il qu'ils me répondent. Voilà, ça m'agace, mais vraiment. Donc moi je fais habituellement moi-même les concours de A à Z. Je crois que c'est vraiment le mieux et que je vais faire. Je me suis engagée sur un autre là à venir, donc j'aurais pas le choix. Mais à un moment donné, si tu dois gérer ça aussi, stop quoi. Bref, avant d'y aller, je vais vous montrer un truc que j'aime trop. Alors c'était pas vraiment ça que je voulais vous montrer à la base, mais pourquoi pas. Bonjour ma Jackie. Hier, j'ai commencé à faire des petits emballages cadeaux pour d'éventuels anniversaires à venir, tout ça. Et je voulais vous montrer parce que je suis assez fière de ce que j'ai fait. C'est trop mignon. Ça, par contre, c'est du papier de merde, hein, faut le savoir. Le scotch ne tient pas. Il n'y a aucun scotch sur cet emballage. C'est pour ça que j'ai mis ce ruban. Au final, c'est très joli, mais j'aimerais bien scotcher un minimum les côtés. Je comprends pas. Ça devrait même pas se vendre, ça. Mais l'ensemble, j'ai envie de faire plein de paquets. C'est trop mignon. On a du brouillard au fond, j'aime beaucoup. Je crois que je suis seule au monde en fait. Regardez-moi ça. Allez, c'est parti, en espérant que ce soit pas un fail, hein, et que ce soit vraiment ouvert. Alors déjà, on est sur un truc plutôt cool, c'est ouvert. Ça, c'est une bonne chose. Bon alors, ce que je trouverais pour moi, que j'achèterais, bien évidemment, je vous le montre pas là tout de suite. Ça serait éventuellement pour customiser mes paquets cadeaux, faire des écritures, mais 1,12€, je trouve que c'est assez cher par rapport à d'habitude. Alors ça aussi, hein, c'est des stickers, ils sont un petit peu côté aquarelle et j'en ai déjà moi pas mal, donc je vais pas en prendre, mais je vous conseille si vous voulez customiser pareil, faire soit des cartes postales, des cadeaux, il y a des motifs très sympas et c'est 99 centimes. Le masking tape, pareil, hein, y en a énormément. Moi, j'en ai déjà beaucoup. Mais ça peut être très sympa pour customiser tout un tas de choses. Mais vraiment, plein d'objets. Et pourquoi pas vos petits paquets également. Alors ça, je trouve pas ça très joli. Mais à chaque fois, ça m'intrigue. C'est des puzzles 3D. C'est pareil, super beau. Mais j'aimerais bien voir une fois monté, quand même. Et ça, pour une petite fille, je trouve que c'est adorable. Comme ça, tu fais ton DIY pour mettre tout ton nécessaire de bureau. Et bah tu choisis aussi surtout le papier que tu veux mettre. C'est très mignon. 2,69€, c'est sympa. Au niveau des notebooks, ils ont toujours des petits carnets, cahiers super sympas. Et bah, vous voyez, hein, 1,99€, c'est pas cher. J'aime beaucoup celui-ci. Très beau, c'est que des lignes à l'intérieur. Ça aussi, j'aime assez. Ça m'a l'air quand même très joli. C'est un kit, hein, de couvert. Et... ils sont assez beaux, mais je ne sais pas dans le temps comment ça tient, mais c'est mignon, non? On a également, on va dire, mat noir. Non, il y a des reflets un peu comme du cuivre. On va dire 10€ le kit. Ça peut être sympa comme des cadeaux aussi. Ça doit être une nouveauté, ça. Qu'est-ce que c'est? C'est des adhésifs. Et après, tu crées une mat monde. C'est super sympa. Et tu peux mettre des cartes postales et tout. J'aime bien. 4,95€. Ça peut être une idée sympa, cadeau dans une chambre d'ado ou quoi. Ils sont mignons ces petits cadres. 1,99€. On a celui-ci, on a. Et en blanc. Très sympa, moi je trouve. Tu peux customiser en plus avec les petits accessoires. Ah, ils font ça, c'est des tubes lumineux en fait. Je sais que ça plaisait pas mal. Moi j'aime pas trop parce que je trouve que c'est kitschoun au niveau des couleurs, mais tu le poses et après ça te fait. Ouais, c'est une petite ambiance quoi. Combien ils vendent ça? 13,95€. Alors là, on est également sur des nouveautés. Et bah, dans une chambre
nouveau-né d'enfant. Je trouve ça très beau. On voit comme ça, quand il y en a beaucoup, ça fait bazar, tu te rends pas compte, mais sorti comme ça. Il faut les voir tout seul. 2,95€. Mais c'est super mignon, je ne les avais pas vus encore ceux-là. Celui-ci qui est un petit peu plus grand. Et celui-ci, mon préféré c'est le premier je crois. Ils ont des meubles parfois très sympas, regardez. Celui-ci qui est le côté scandinave, il est en blanc et en noir derrière. Et celui-ci, je trouve que le bois est joli, hein. Il est à 17€. Bien évidemment, big up à mon Jackie, mais non. 4,95€ l'ardoise et puis bah, un petit set d'apéro, 13 pièces. Là, pareil, ça j'aime beaucoup. Ces petites corbeilles Indus, c'est très mignon. Je sais pas comment ça tient dans le temps, mais je pense que ça doit aller si tu le mets pas dans l'eau, c'est pas mal. Hein. Ça, c'est pour faire des petites cuillères gourmandes. 1,56€. Le papier cadeau, il en faut, mais là j'ai un doute hein, parce que. Je préfère prendre la bonne qualité, sinon c'est galère, ça ne tient pas du tout. C'est dommage parce qu'il y en avait. Ça, ça aurait pu être mignon, mais non, je préfère pas. Si vous cherchez des chaussons, je vous les conseille. Moi, j'ai acheté ceux-là la dernière fois. Et bah, top, hein. Vraiment très très bien. Donc, vous pouvez y aller. Ils sont très confort. Ils sont mignons, ceux-là aussi. Et ils ont un curler pour faire des grosses boucles. C'est sûr qu'il n'est pas très cher. Hein. Je sais pas ce que ça vaut. Très mignon, je trouve. Petit coffret comme ça, plusieurs pièces. J'ai croisé une amie chez Action qui m'a dit que Leclerc était ouvert aujourd'hui dimanche. Et comme il me manque du fromage, des amandes, des petits fromages blancs, tout ça, je vais y aller en espérant que ce soit pas bondé de chez Bondé. Et je vous montrerai mes petites trouvailles de chez Action. On ne serait pas sur une calèche de Noël. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Oh, tu es beau toi. On peut le caresser ou pas? Comment? On peut le caresser ou pas? J'ai pas vraiment l'habitude avec les chevaux moi. Bonjour. Comment tu t'appelles? Comment il s'appelle? Husky. T'es impressionnant, tu es beau. Tu es très beau. Oh là là. Et bah rien que pour Husky le cheval, je suis contente d'être venue. C'est amusant ça. Je pensais que ça marche bien. 12,60€. La fille qui monte ses ongles. Ça a bien marché, hein, n'empêche. Là on est sur un moment un peu chiant où je ne trouve plus mes clés de bagnole. Je viens de rentrer, c'est quand même hyper déstabilisant d'aller dans une grande surface un dimanche. Tu sais plus où t'en es en fait. Mais c'est un petit côté assez mimi, assez festif, qui est assez plaisant. Je vais vous montrer ce que j'ai pris, ce que je peux vous montrer, parce qu'il y a des trucs que je ne peux pas. D'abord, hop, un peu déçu. Je voulais un truc dans les tons encore rose poudré. Bon, il n'y avait pas. Celui-ci est un peu pastel, un dégradé de vert, de bleu. Ça sera joli, je pense. Ça sera assez harmonieux. Non, je vais vous poser en fait. De plus près, ça donne ça. Je pense que avec mes autres papiers, ça peut être très joli. J'ai pris du scotch. Hein, je préfère prendre un truc un petit peu plus pro quand même et que ça colle. Ça, même si ça n'a pas énormément de goût, au moins je peux en grignoter pas mal dans la journée. J'en avais plus du tout. Ça, c'est indispensable pour en tout cas mon petit déj, notamment, ou quand j'ai des fringales. Des petites clémentines qui, pour certaines, vont finir au congèle. Pareil, hein, ça c'est le matin. Alors, je voulais un shampoing sans sulfate, sans silicone. J'ai trouvé que celui-ci. Je crois que c'est une bonne marque, Nature et Moi. Après, voilà, c'est un petit peu pour tendance gras. Moi, j'ai pas les cheveux vraiment gras. Mais c'était le seul à voir. Pour ce qui est d'Action, on va monter. On va aller dans l'autre pièce en haut, ça sera plus lumineux. Je vais allumer, hein, c'est beaucoup trop sombre. Voilà. Oh, c'est triste tout de même. Ils sont sympas leurs sacs. Chez Leclerc, maman fait les courses parce qu'on en a marre des pâtes au beurre. Ouais, ils sont assez mimi. Alors concernant mes petits, hein, mes vraiment petits achats, j'ai repris cette étagère. J'ai la même dans mon bureau. Je les trouve vraiment très élégantes, très mignonnes. Je pense que, enfin c'est même pas, moi je vais en mettre une ici.
Voilà, quand on met des petites plantes, ce genre de choses, c'est super mignon. Je ne sais plus, il me semble. 2,95€. J'ai pris ces caisses comme ça en bois. J'adore, tu peux mettre tes sous-vêtements, tu as tellement de choses que tu peux mettre dedans. Tu peux mettre aussi des plantes, de la déco. Mais moi, vraiment, je pense que ça va être, pour le côté un peu scandinave, je vais vraiment mettre plutôt tout ce qui est textile, je pense. J'en ai pris deux. Voilà, il y avait trois formes, beaucoup plus grand et plus petit. J'ai pris l'intermédiaire. Et elles sont coffres de décoration en bois, 2,49€. J'ai pris des Fortune Cookies. Voilà, il y en a 8, j'en ai pris 2 pour mettre dans les assiettes, je trouve que c'est sympa. Il y a toujours un petit message. Le gâteau en lui-même, ça n'a pas vraiment de goût. Mais je trouve que l'objet, puisque ça représente, c'est super sympa. Les Fortune Cookies, c'est 1,49€. J'ai craqué pour ce petit cheval. Je comptais pas le prendre et au final, je trouve que ça aurait été vraiment dommage de le laisser. Un ruban que je vais utiliser pour customiser. Je suis à fond dans les paquets. J'ai envie de faire des jolis paquets avec des rubans, des nœuds, comme je vous ai montré un peu. Et là, le côté XO, ça me donne pas mal d'idées. J'étais inquiète. Je trouvais plus mon bébé Jack. Comment ça va, mon amour? Tu es retourné sur ton petit coussin. Dis donc, t'as pas fait de bêtises aujourd'hui? Non? Je vais préparer à manger. Faut que je fasse, il reste deux petites endives comme ça. Je vais me faire un steak haché et des œufs. Mais oui! Donc en fait, à chaque fois que je vais sortir sur Imi, tu vas vouloir. Mais c'est pas pour les chats. Ben non. On est en train de se regarder une nouveauté Netflix, une merveilleuse histoire du temps. C'est un biopic en fait, l'histoire d'Hopkins. Et c'est absolument dingue ce film. C'est une romance, il y a de la science quantique. C'est vraiment très très bien fait. Voilà, je vais conclure ici. Je vais vous dire à demain dans un nouveau vlog. Salut.